d'accord. Je sais, les Romains ont interdit ce genre de rassemblement. Mais moi, Boudicca, j'irai leur annoncer ma politique en tant que reine libre. Voilà enfin des paroles dignes de ta grandeur. Allons, laissons ton peuple à la fête et préparons-lui un avenir plein de promesses et de joie. Pardon. Et surtout, l'accession au pouvoir d'une femme, le propréteur Catus Decianus, représentant de l'empereur Néron en Bretagne, voit une opportunité de s'emparer des territoires des Iguénies. Catus Decianus, réputé pour sa cruauté et son ambition démesurée, saisit sa chance. Son informateur Galgacus lui a annoncé que la reine Boudicca sera présente sur un marché commerçant et décide de lui donner une bonne leçon. Thank you.
attendez à une noble reine, pas à une femme banale. D'ailleurs, je suis surpris de n'avoir pas été convié aux obsèques de ton mari. La tradition veut que cela se passe en Trikeni. Tradition ? Oublierais-tu que la Bretagne est romaine ? Le maître de ton peuple est l'empereur Néron, que je représente dignement. Tu n'existes pas aux yeux des Romains. Tu n'es qu'une femelle que nos légionnaires aiment coucher sur leur litière. Tu blasphèmes, Catus. Tu t'adresses à une reine. Prends garde à toi. Assez ! Emparez-vous de cette femme, ainsi que de ses deux filles, et montrez à ces sauvages comment nous, les Romains, nous traitons les femmes qui osent défier Rome. Qu'on les flagelle devant tout le monde. Boudica ne peut accepter de laisser son peuple être aussi malmené. Rome refuse de reconnaître une reine diriger les Ikeni alors que la moitié des terres doivent revenir à Rome. Le territoire des Ikeni est ravagé par les Romains. Le hasard sourit à la reine, car les légions romaines, conduites par le général Suetonius Paulinus, qui représente le gros de l'armée romaine, doivent partir pour l'île de Mona, celle qui abrite les druides de Bretagne en fuite. Cette attaque contre ces hommes représentant le pouvoir celtique est une atteinte au peuple de Bretagne.
C'est dans cette atmosphère de haine que la reine Boudica lance son insurrection contre Rome. C'est le début d'une terrible guerre qui dura presque une année. Depuis l'arrivée des Romains en Bretagne, n'avons-nous pas été dépouillés de nos richesses les plus abondantes et les plus grandes, non sans payer encore des impôts sur ce qui nous est laissé? Sans parler du reste, il nous faut faire paître nos troupeaux pour eux, cultiver nos champs pour eux. Ne payons-nous pas chaque année la capitation personnelle? Sous le vain titre d'homme libre, nous payons notre rançon chaque année. Le général Suetonius Paulinus a attaqué l'île de Mona et détruit le sanctuaire druidique. Il a fait brûler les druides dans des paniers en osier. Partout, les peuples de Bretagne sont en colère. Avec votre reine, nous serons l'épée de la vengeance. Nous ravagerons les cités et nous chasserons les Romains hors de l'île de Bretagne. Peuple Iceni, prépare tes armes et suis-moi. Pas un Romain ne survivra. Nous anéantirons tout ce qu'ils ont bâti et détruirons leur temple. En avant vers la victoire!